Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. C'est un réel plaisir de rentrer la caillou une autre fois pour nous partager ensemble avec vous toutes les nouvelles qui ont dominé l'actualité non seulement en Haïti, mais tout à l'étranger pour aujourd'hui samedi qui 20 février 2021. Bienvenue sur cette parole-là. Merci Dieu et passeport sexuel. Dans la vidéo, ça, vous pouvez avoir des chances ouais, ensemble avec nous. Une lettre que le sénateur Barbel de Mao, l'irélé Martin Nolasco Varga, lui écrit à directeur immigration hein, pour être capable de bloquer l'immigration, cap empêcher Haïtien yo al travail. Même le tsatou, il écrit à chef l'armée dominicain parce que soldat dominicain a fait même travail ça tout. Et puis vous avez une chance pour capable suivre ensemble avec nous décision que le gouvernement lui-même lui prend. Pendant que le sénateur lui-même lui fait demande ça, et bien il voyait 7200 soldats bien armés avec chars de guerre, avions et super tout canon, gagner drone, caméra pour aller renforcer frontière. Mesdames et messieurs, gens que nous avons annoncé au notre titre là, gagné sénateur Barbel de Mao, et Martin Nolasco Varga, lui écrit une lettre à directeur immigration pour le capable demander et fonti camper. Bye agent immigration yo l'autre pour yo capable et fonti camper et dans question arrêter haïtien qui pour travailler dans zone ça. C'est dans zone Barbel de Mao, une zone qui est essentiellement agricole. 95% moun kap travay soit dans fè du riz, dans tomate, dans cacao, dans tout ça que yon produit dans zone sa la. Et bien c'est haïtien qui fait tout travail ça. Et bien immigration ensemble avec soldats dominicains, chaque jour y a arrêté haïtien voye ou aller, et bien pas de moun qui pou travay la terre dans zone sa la. Et bien dans ça et comme étant un producteur dans zone sa yo même yo a perdu en pile l'argent et bien sénateur dans zone sa yo obligé d'écrire à directeur immigration ensemble avec chef la mer pour capable de trouver une solution dans zone sa sinon et bien yo pas capable produire dans zone sa là et bien tout et producteur dans zone sa yo même yo pas faire faillite surtout nous connaît le gouvernement central là il prend une décision pour capable tourner voyer 7200 soldats pour aller renforcer les frontières. Non seulement il a arrêté Haïtien, mais Haïtien vient des difficultés pour capable rentrer en République dominicaine avec quantité de soldats. Ce n'est pas même soldat qu'on voit tout le temps parce que tout le temps c'était 6 francs qui étaient sous frontière. Mais à cause de crise qui est dans le pays d'Haïti, turbulence chaque jour, eh bien, il y a peur pour ne pas gagner une foule, une vague haïtienne qui est capable de venir envahir. Et bien, dans ce sens, vous voyez, c'est des soldats spécialisés sous frontière avec chars de guerre, avions de guerre, gain super tout canon, yo gain drone, yo gain caméra cap surveiller et frontière. Non ça ça vient gain plus difficulté pour haïtien qui haïti capable rentrer et même moun qui déjà a travaille dans plantation ça yo lève pour aller en Haïti. Et bien, il n'y a pas de retourner encore. Dans ce sens, le sénateur lui-même est obligé d'écrire à directeur immigration ensemble avec la mère pour capable demander et tant pis s'il vous plaît, que et baisao. Et puis tout, nous pouvons montrer dans la vidéo ça et comment quantité de soldats qui rentrent avec toutes les armes, et chaque guerre, avion, pas de chance pour capable suivre ensemble avec nous. El patrullaje se extiende desde Manzanillo hasta Pedernales. E incluye ejercicios militares que se realizan a diario. Sí, ha habido un aumento de nuestras tropas y equipos en el área de la frontera, previendo cualquier anomalía en nuestra frontera. Y seguimos, según la necesidad lo amerite, reforzando los puntos en donde nuestros organismos de inteligencia dicen que podríamos tener algún tipo de incursión. De los 7.200 soldados desplegados en la frontera, que incluye 400 en Mao Alverde, listo para ser desplegado si fuese necesario, 2.500 se encuentran en las dotaciones de Dajabón. Los comandos del Ejército Nacional que cuentan con tanqueta B-150 blindada y vehículos de asalto de oruga. Dos veces al día sobrevuelan los tucanos en la mañana y en la tarde, además
ayudan en esta faena los helicópteros del ejército y la Fuerza Aérea. Lo que estamos haciendo con eso es previniendo. Las unidades aéreas hacen el patrullaje desde arriba y cualquier novedad que haya, nosotros con nuestros equipos de reacción vamos y verificamos qué es lo que está pasando ahí. Al igual que nuestras unidades navales que están apostadas en Manzanillo y en Pedernales también. En la puerta principal del puente del municipio cabecera de Dajabón, los organismos de inteligencia, o sea también el CESBRON, cuenta con cámaras y drones. Tenemos personas que están en puestos fijos, patrullas móviles y equipos de reacción. Las detenciones de ilegales en estas últimas semanas no han cesado. De enero hasta la fecha, el ejército dice haber detenido más de 38 mil ilegales intentando penetrar al país, aunque las autoridades de migración dieron durante la pandemia una gracia para los trabajadores agrícolas y de la construcción. Pero ahora esas mismas autoridades han retomado la decisión de revisar minuciosamente los documentos o carnets. En la frontera dominico-haitiana, en la zona de Dajabón, César Montesinos, Noticias SN. Centenares de haitianos se manifestaron este viernes en Puerto Príncipe para denunciar la multiplicación de los casos de secuestro y la supuesta dictadura que, según ellos, intenta instaurar el presidente Jovenel Moïse desde el 7 de febrero pasado, fecha en la que aseguran terminó su mandato. Al menos dos manifestaciones, una organizada por estudiantes y otra por abogados, acompañados por activistas de la oposición, para exigir la liberación de dos personas que llevan varios días secuestradas, entre ellas el juez y profesor universitario Avias Edumé. El pasado 7 de febrero, al cumplir 4 años de mandato, Moïse denunció que la oposición preparaba un golpe de Estado y las autoridades realizaron al menos una veintena de detenciones de opositores, lo que desató en una ola de protestas callejeras. Je pense que tu là, mesdames et messieurs, ça c'est quantité soldats, ça c'est décision que le gouvernement central en République dominicaine lui-même prend, ou surtout, ou surtout, regardez, chef l'armée lui-même était là, ou surtout, quantité soldats spécialisés qui sont frontières, ou surtout, gauche à des guerres, avions, surtout, toucan, ou surtout, caméra, ou surtout, drone, qui sont frontières, qui avaient les zones là. Tout ça, c'est décision capable d'empêcher Haïtiens capables de rentrer en terre voisin à cause de turbulences qui gagnent. Il y a une bagaille qui est marquée attention, nous, c'est la façon que Haïtiens ont affecté. Et nos présences haïtiennes sous plantation, sous terre agricole, commencent à les même affecter les Dominicains. Et les gens n'ont pas de bagages sur l'immigration, les gens qui manquent haïtiens pour qu'on travaille, et bien, ouais, commencent à les mêmes. Il y a une importance haïtienne, les mêmes qui gagnent sur le travail, ni construction, ni agriculture. Il y a un travail qui essentiellement c'est haïtien qui fait, yo, parce que les Dominicains eux-mêmes, ils ont presque pas fait travail ça, yo, et bien, c'est haïtien qui fait. Yo. Et bien, les gens ont un moment difficile comme ça, surtout nous, tous nos Japonais. Et qui est vision, comment que le gouvernement qui est en place là, président et Luis Abinadel, depuis notre campagne, comment lui-même était une migration haïtienne en République dominicaine. Et jusqu'à ce que lui est sous pouvoir, nous lui-même est toujours qu'il y ait même après ça, même décision, même ça, nous toute sa part, toute décision qu'il a faite, eh bien, il a fait contre haïtien en République dominicaine. Nous sommes contents d'être ensemble avec vous pour nous être capables de présenter une vidéo ça. Nous avons compris dans n'importe quelle occasion pour nous capables d'informer sur tout ce qui a passé en République dominicaine ensemble avec Haïti.